Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super les amis. Avant que la vidéo commence, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît les amis, c'est ultra important. Déjà, je tenais encore énormément à vous remercier. Tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube là, ces 4-5 derniers jours, un grand merci à vous. On a pris plus d'une quinzaine d'abonnés. Pour vous, c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi les amis, c'est énorme. Donc un grand merci à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner tout en regardant mes vidéos. Donc déjà ça fait plaisir de savoir que ça vous plaît autant et ça me fait plaisir de voir que bah, vous m'avez écouté, que vous êtes abonné. Donc un grand grand giga merci à vous, parce qu'à savoir que c'est vous qui faites vivre cette chaîne YouTube, c'est vous qui donnez l'animation à cette chaîne, comme à la petite communauté qu'on est en train de créer sur Discord. Voilà, les amis, on s'abonne un maximum. Même si la vidéo, vous trouvez qu'il y a des petits trucs à redire, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prends toutes les critiques du moment, car elles sont bien, bien et respectueuses. Hein. Pas, quand je veux dire bien, une critique ne peut pas être forcément bien, bien, mais voilà, je prends toutes les critiques. Tant qu'elles sont bien formulées, il n'y a pas d'insultes, pas de manque de respect ou de choses dans le genre. Je suis ouvert à toute critique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, mais voilà, rien pour le travail que je fais. S'il vous plaît, les amis, abonnez-vous. C'est ultra méga important pour la suite de ce genre de vidéo. Surtout avec la 4.0, les trucs dans le genre. Vous en allez avoir besoin autant que moi. Donc, je compte sur vous, les amis, pour vous abonner, pour qu'on puisse continuer ensemble. Du coup, les amis, ça me permet de faire une petite liaison avec le Discord communautaire. Donc, un Discord où tout le monde peut le rejoindre et rejoindre une petite communauté qui est en train de se créer autour de Star Citizen et du gaming en règle générale. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, le Discord est dans la description. Et le second Discord, c'est le Discord de la DG Team Corporation, donc une corporation sur Star Citizen qui a l'ambition d'aller très loin dans le jeu. Et quand je dis très loin, c'est vraiment aller endgame, voire plus. Hein, on aimerait avoir un petit territoire pour nos nouveaux joueurs, pour qu'ils puissent s'entraîner à toutes sortes de choses sans être dérangés par d'éventuels pirates ou des personnes qui sont pas qui sont malveillantes. Donc voilà, on a vraiment quelque chose d'ambition. Donc pour ceux que ça intéresse, la corporation est ouverte à tout le monde, que vous soyez nouveau ou vétéran du jeu, que vous soyez solo ou en groupe, on vous accueille les bras ouverts, les amis, d'accord? Juste, on demande le truc très important, c'est que vous soyez des gens sérieux. Voilà, on veut pas quelqu'un qui vienne juste pour détruire ou espionner ou ci ou ça. On demande juste des gens sérieux qui sont là pour faire avancer la corporation, qui sont là pour porter notre flag le plus haut possible. Donc je compte sur tous ceux qui sont comme ça et qui ont de l'ambition dans Star Citizen. Et un grand merci à tous ceux qui nous rejoindront. Petite dernière chose, mon code de parrainage, les amis, ça vous fait gagner 5 000 à l'UEC à chaque mise à jour. Donc profitez-en. C'est gratuit, hein. C'est vraiment pour vous que je le dis. C'est gratuit, ça vous fait plaisir. Du coup, les amis, on se retrouve du coup en Salvage. Donc, début de la vidéo sur du Salvage. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait en vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu. Ça a beaucoup changé. Comme on peut le voir, avant, on avait les affichages sur le côté. Et là, nous n'avons plus les affichages sur le côté. Tout simplement parce que normalement, si je ne m'abuse, on va dans les. Oh, les amis, donc j'ai cut 2 petites secondes parce que, comme vous l'avez certainement vu, quand j'ai scanné, j'ai trouvé. J'ai pas trouvé de coordonnées, donc forcément, moi, ça c'est la deuxième fois que je reprends le tout depuis la. La dernière fois, mais sauf que nous on a fait du salvage en corporation, donc c'était pas la même chose. Et du coup, là pour retrouver une plaque, parce que c'est le seul moyen entre guillemets gratuit de faire du salvage, à part si vous avez des potes qui font des ERT, des trucs dans le genre, donc en corpo, c'est pour ça que c'est très important la DG Team Recruit, les amis. Mais du coup, on n'a pas de. Il n'y a pas de façon. Il n'y a pas de façon de voir les coordonnées. À part si quelqu'un l'a dans la solution dans les commentaires, n'hésitez pas à la mettre. Je serai j'épinglerai votre commentaire pour que tout le monde puisse le voir. Parce que moi j'ai tout essayé, j'ai essayé de regarder là partout. J'ai pas trouvé. Donc si vous avez quelconque solution pour revoir les coordonnées comme à l'ancienne, parce qu'avant on avait les coordonnées, et bah je suis preneur. Voilà. Et là, là, ce que je vais faire, c'est que. Donc, du coup,
Les amis, pour pouvoir sortir les têtes de minage, vous faites, moi en tout cas, c'est clic molette. Hop, donc du coup, il y a trois trucs. Donc vous choisissez bien entendu les trucs pour sortir les têtes de minage, le salvage. Donc là, j'ai appuyé sur G pour avoir la gimbal, mais la gimbal, elle sert quasiment plus à rien, je vais vous le dire. Donc là, je vais faire Alt. Q pour juste avoir le côté gauche de mon vaisseau pour tout simplement hop qu'il soit en tractor beam, d'accord. Donc là, je vais faire Alt D, là, je vais faire clic droit pour avoir la tête à la Abrams, et là, du coup, je la mets en gimbal. Voilà, et là, du coup, ça nous sert. Bah, après. Là où c'est un peu moins. Là où j'aime un peu moins, c'est que j'ai l'impression que le gimbal sert vraiment plus à rien. Avant c'était bien parce que tu pouvais bouger dans tous les sens. Bah là voilà, on est au maximum. On peut pas aller plus loin. Donc ce que je vais faire pour être sûr. Pour éviter que ça me casse les couilles, je vais tout simplement reprendre celui-ci. Je vais reprendre les deux. Donc pour reprendre les deux bras, c'est Alt S. Et là, hop, vous avez les deux. Voilà. Donc là, on va enlever la gimbal. Et du coup, on va se faire avec tout simplement le vaisseau qui bouge tout seul. Parce que la gimbal, à l'heure actuelle, bah c'est de la merde. Et c'est éclaté au sol. Et à savoir, pour trouver des plaques, du coup, les amis, pour trouver des plaques, parce que. Et plus compliqué que ce que ça en a l'air, et ben vous vous dirigez vers les points inconnus quand vous appuyez sur stab. En tout cas, si personne donne la solution, et ben ça m'étonnerait parce que j'ai regardé quand même un peu partout là entre l'un dans les deux entr'actes. J'ai pas trouvé les coordonnées des plaques ou même les coordonnées tout court. Donc, après, peut-être que c'est moi qui ai mal regardé. Hein. Je suis un être humain, je suis pas infaillible. Donc s'il y en a qui ont la strat, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires pour que tout le monde puisse l'avoir. Mais autrement, ce que vous faites, c'est que vous dirigez vers les points inconnus. Voilà. Donc soit vous allez tomber sur une espèce de mini astéroïde à miner, soit vous allez tomber sur une plaque comme celle-ci. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus facile que ça. Hop. Les amis, après un petit temps, bon.
Ça fait peur parce que j'ai l'impression que je pouvais arracher la moitié du truc. Alors, déjà, est-ce qu'on peut faire? Je crois que c'est buggé. Mais du coup, voilà, vous choisissez là. Ouais, c'est 3 secondes. Bien entendu, apparemment, l'éjection automatique est buggée. C'est pas très très grave. Ça fait partie de Star Citizen. Pour ceux qui savent. Donc là, hop, éjection. Hop. Et du coup, bah, je vais remplir la soute du vaisseau. On va pas remplir de bonne peur, les amis, parce que ça sert à rien. À part si je reviens dans le vaisseau pour revendre. Mais que je ferai certainement pas. Donc c'est pour ça que je préfère être honnête. Et on va juste remplir la soute du vaisseau. Même si on va bien la remplir. Hein, parce que là, on va pouvoir mettre 13 caisses. 13 caisses de 1 SCU. Parce que bah, ça, on voit. Hop. Donc là, vous faites le compte, hein, ça fera 8, 9, 10, 11, 12. Et du coup, il y en aura une qui ira là. Il y a quand même une dernière plaque qui est devant moi, je la ferai quand même. Voilà, les amis. Voilà. Je vous le dis honnêtement. Je la ferai quand même, la dernière plaque qui est devant moi. Si je peux gratter un ou deux SCU, donc deux caisses sur ça, je le ferai. Vous inquiétez pas, on connaît les rats de l'espace. Hein, sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, moi, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer tranquillement l'éjection des caisses. Et on se retrouve tout simplement à la revente, les amis. Bon, vous les amis, après moult et moult recherches, je vais pas vous mentir, j'ai fait l'orbite, je suis revenu à Horizon pour essayer de vendre cette foutue cargaison, parce que j'ai des gros problèmes en ce moment quand il s'agit de vendre des cargaisons. D'où je voulais vous faire aussi une vidéo sur la laranite. Mais le problème, c'est que j'ai pas réussi. J'ai fait toute la vidéo correctement, sauf la revente. Donc, bah, malheureusement, il n'y a pas de vidéo sur ce commerce-là. J'essaierai de vous en trouver une autre dans les jours qui suivent. Mais comme je vous ai expliqué, le nombre de vidéos va réduire un tout petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire. Comme je vous ai dit, je reprends le travail IRL. Donc, c'était compliqué de pouvoir se. Les vacances sont finies pour en cultiver, donc c'était compliqué, ça va être compliqué de pouvoir en faire beaucoup. Donc les amis, du coup, hop, ouais, j'ai rangé mon vulture, et pourtant c'est même pas dans mon vulture que je vais vendre. Donc là je vends le max, c'est 12, hop, donc là, 154, 155, comme d'hab, on va prendre le 154, on va attendre que ça vide, parce que de toute façon il reste une. Donc là ça veut dire un vulture quasiment complet, donc... je rappelle que j'ai pas refait de SCU derrière, donc ça veut dire qu'on était sur du 13 SCU. Donc 13 SCU comme ça, c'est équivaut à 160 000 quoi. Parce que là, on. Hop. Bon voilà, on va pas attendre. Mais du coup, voilà, vous savez à peu près, c'est 160 000 les 13 SCU du coup, parce que je le répète, je ne l'ai pas rempli à fond derrière. Donc on est sur du 13 SCU 160 000. Donc en soi, ce qui n'est pas trop dégueu, parce que ça ne m'a pas pris non plus très longtemps de le faire. C'est les bugs à côté qui m'ont pris beaucoup de temps. Mais en soi, le Selvedge, lui, il n'a pas duré très longtemps. Ça m'a duré une petite demi-heure, ouais, grand max 35-40 minutes. Quoi. C'est pas trop énorme, tu vois. C'est pas. Pour toucher 60 000, pardon, derrière, je trouve que ça va. C'est pas non plus exceptionnel. À savoir que, bon, il y a la recherche derrière et tout dans le genre. Moi, je trouve que c'est pas dégueu. Je trouve que c'est stable. Et je trouve que ce qui représente là les 140, c'est les 160 000, ça retouche à peu près ce qu'on fait dans le minage en prospectant. Donc, je pense, d'après moi, que l'économie du salvage devrait plus trop être touchée. Après, à voir par la suite. Mais en tout cas, pour moi, c'est mon point de vue. Donc les amis, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oublie pas de s'abonner, lâcher un like, un petit commentaire pour ceux qui sont les plus ardus. En rejoignez Discord, il y a toujours un giveaway aussi, les amis. Donc je vous laisse
aller checker sur la chaîne YouTube. Il faut être absolument sur le Discord communautaire pour être éligible à ce giveaway. Le plus important quand même pour moi, c'est vos likes et vos abonnements à la chaîne YouTube. C'est ultra important. Mais je compte sur vous les amis. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Justement.